un petit peu endormi. Il est tôt, il est quoi? Il est 7h du matin. Et on se retrouve pour une vidéo vlog parce qu'aujourd'hui on part à Gulli parce qu'on va faire un petit direct à 16h. Alors on a décidé de partager cette expérience avec vous. On va tout filmer avec en prime des jolies petites surprises. Alors là on prend la voiture, on va à Avignon, après on prend le train et on va jusqu'à Paris. On y va? Ah ouais. Allez, c'est parti. Bah alors je vous ai pas dit, le voyage on l'a fait en famille. Parce qu'après nous on enchaîne sur les vacances et là on est arrivé à Avignon. Et on va aller prendre le train. Allez, on y va. Alors Loulou, quoi? T'es pressée d'aller à Gulli? Ouais. On va faire quoi? On va faire une interview? Oui. Par contre, le taxi, j'espère que ça va aller vite la route. Pourquoi, t'en as marre déjà? Ouais, parce que la route de là, elle était longue. Bon, on a le train encore, hein. Le train, il sera pas trop long. Il fait plus chaud à Paris que dans le sud. C'est juste hallucinant. Et notez la valise, il voyage en susceptible d'éprouver des difficultés pour la poursuite de leur voyage sont invités. Le voyage familial continue. On est tout près des studios Gulli. L'excitation est monte petit à petit. On a hâte de découvrir les studios, de découvrir l'équipe de Gulli, de faire ce petit direct avec vous. Loulou, t'as hâte? Oui. Et Mathis, toi, t'as hâte de voir un peu les studios? Oui. Ouais. Bon bah allez, on continue la route. Et puis le défi, ça sera ici. D'accord. Ok. T'es oui. Excitée, hein? De toute façon, ça va être. Oh, moi, ça va super bien. T'as autant de pêche que la semaine dernière? Même plus, parce qu'aujourd'hui, on a atteint pratiquement notre objectif. Exactement. On vous avait demandé d'atteindre 30 000 abonnés et c'est presque le cas. On est à 500 abonnés des 30 000. Merci à vous, merci, merci. Louane et Rosane qui viennent de nous parler de leur chaîne YouTube, des tutos, des chaînes. Rosane et Louane, on est super contents de vous avoir aujourd'hui. On est vraiment trop fan de... Ah, moi je fonds, je regarde les vidéos, je fonds complètement. Comme le chocolat. Chocolat pour Yann. Je ne parle pas de chocolat, la semaine dernière, Tombola m'a retourné l'estomac, je ne veux plus jamais entendre parler. Dans deux semaines, alors du coup, qui a eu l'idée de cette petite chaîne qui met vraiment du baume au cœur avec plein de bonnes ondes? Bah, au début, moi j'ai lancé la chaîne toute seule. Mm-hmm. Parce que bah, en fait, j'avais participé à une émission de pâtisserie. Louane, on me demande quel âge tu as. 5 ans et demi, on va voir. Alors là, ouais. 5 ans et demi, c'est une maturité là. Vous avez et bon, 5 ans et demi, et cuisine bien mieux que toi quand même. Et donc ton amoureux? Comment il s'appelle? Noah. Noah? Ah, c'est un très joli prénom. Tu cuisines des petits plats, des gâteaux? Wow. Ah, décidément. Alors là, pour eux, là, on a compris à Noah, c'est clairement pour toi cette émission. Ah, très bien. Il est beau, il est plus beau que celui de Kevin quand même. J'ai pas fini.
En tout cas, on espère que ça vous a plu, le petit direct. Nous, c'est terminé. On s'est éclaté comme des petites folles. Loulou, elle est toute excitée. Là, on va avoir du mal à la faire redescendre. Mais voilà, c'est que du bonheur. Je t'avais dit quoi avec un coup. Voilà, c'est fini. Ouais, le direct est terminé. Je redis ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Hein. On espère que ça vous a plu. On s'est régalé. Mathis était content aussi de participer, même si c'était pas trop prévu. Mais du coup, il a pris beaucoup de plaisir. Et encore, je t'avais déjà. Kevin, il a pris son cocktail, il en a mis partout sur la table. Comme un cochon, même par terre, sur le tapis. Donc je dis qu'il est trop là. Voilà, mais en tout cas, on a passé un super moment, vraiment. Et puis, on va aller maintenant se reposer, manger peut-être une bonne glace, puisqu'on a besoin de fraîcheur. Et puis, on vous fait des gros bisous. Alors là, les enfants pensent que c'est terminé, qu'on va aller en vacances au Gros du Roi. Mais en fait, c'est pas vrai, il reste encore une dernière surprise pour eux. C'est qu'on va aller à l'hôtel et on va leur annoncer qu'on part demain pour 3 jours à Disneyland. Donc je pense qu'ils vont être super excités, tout autant que moi, parce que vous le savez, je suis une grande fan de Disney. La surprise était trop dure à tenir, j'ai trop hâte de leur dire et j'ai décidé de partager ce moment avec vous. Donc j'espère que leur réaction sera à la hauteur de mes attentes et que vraiment ça leur fera plaisir, mais bon, j'ai pas trop de doutes sur ça. Allez, on va à l'hôtel. Et en attendant le vlog, viens découvrir le concours spécial de 100 000 abonnés.